Salut les potes, ici JP dans les caves. Petite vidéo improvisée à l'arrache entre potes comme d'habitude. Vous connaissez la sauce. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et euh, merci de me suivre. Ok les gars, euh, big up à tous les anciens, big up aux potos du stand de tir. Aujourd'hui, euh, ce qu'on va se faire, on va s'employer parce que j'ai reçu un colis des potes euh, du copain Cyril dinvent 3D, donc qui propose des munitions. Euh, fun -tier, on va dire, euh, donc des slugs, les fameux slugs patriotes hein, que vous connaissez, euh, que j'ai présenté il y a de ça plus d'un an euh, sur la chaîne, qui a rencontré un grand, grand succès. Merci à toi, invent 3D, pour ton travail de qualité, ta confiance. Voilà, donc euh, vous pouvez retrouver ces produits. Euh, petit placement, euh, donc Invente3D.fr, vous irez voir, euh, je vous filerai le lien du site euh, en description de cette vidéo, les votes. Et sachez que vous avez 8,6%, oui, 8,6% de réduction avec le code Fumiros, ou le Fumiros. Enfin, je vous mettrai le lien de toute manière en description. Donc, qu'est-ce qu'on va s'employer là J'ai rien d'autre à foutre là, ce dimanche là, en fin d'après-midi. Donc, il s'agit de quoi Il s'agit, euh, eh bien, de projectiles, de projectiles, euh, qui vient se mettre dans des adaptateurs, adaptateurs euh, pour PAK. Ok, donc des adaptateurs self-gum. Ok, donc là, on vient trouver euh, pour euh, cette vidéo le fameux Glock 17 Gen 5. Euh, Surmonté de l'équipement d'attaque, Big Up à toi, euh, d'attaque aussi. Hein, je vous filerai le lien du site. Donc, qui propose un élongateur avec un cache euh, eh bien de l'adaptateur. Hein, pour que ça rende un peu mieux et un peu plus réaliste, on va dire. Hein. Bon, bah on aime, on n'aime pas. Moi, je trouve son travail euh, d'une très, très grande qualité. Et puis aussi un élongateur de chargeur où là, euh, directement, grâce à cette technologie, eh bien tu peux venir euh, porter deux ou trois balles euh, supplémentaires dans ton chargeur de ton Glock e ok. Donc là, pas de bastos dedans, évidemment. Bon, il y a euh, une lampe light aussi, hein, c'est ma petite arme euh, donc, oula, pour se défendre, pour faire peur, on va dire. Mais bon, euh, assez excellent ce, euh, cette réplique, ok les gars? Donc bon, sur ce test, qu'est-ce qu'on va se péter euh, Donc, il nous a pondu euh, des munitions, les slugs Patriotes On va regarder ces produits. Ouais, les potes, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai pas trop envie de faire de vidéos. J'ai pas le temps du tout, les gars, là. Mais bon, là, j'ai une demi-heure à consacrer. Donc, on le fait. Donc, euh, voilà que c'est petites billes. Alors, je sais plus, je crois que c'est du... Euh... Je ne sais plus combien de millimètres ça fait, ces billes, mais elles sont un peu plus petites que les patriotes traditionnels, donc avec une force de pénétration euh, supérieure. Donc voilà comment c'est foutu ces produits. Hein, très très bonne qualité. Voilà, donc là, t'as les slides. Ah oui, il m'a dit qu'elles étaient réutilisables dans la mesure du possible. Hein. Donc bien costaud. On va le voir. De toute façon, je vais faire un test. Ah, ça c'est les premières Patriotes qui m'avait filé, tu vois. Donc la bille est nettement plus grosse. Tiens, on voit qu'il y a des des petites euh, belles funky là, hein, on dirait. Hein. Ouais, jaune et noir, c'est un patoche. Bon. Et là, c'est de la bastos euh, directement. Donc plus accès défense parce que c'est ouais, elles sont molles. Hein. On va dire. Ah ouais, putain, c'est cool. Donc euh, pour la défense, on va dire hein. donc une solution, euh, eh bien on va dire euh, autre que des boules en caoutchouc traditionnel. Là on a de la du slug carrément en caoutchouc mou. Okay. Donc je pense que pour de la défense c'est euh, quand même bien. Euh, tout de suite on va poser les choses. N'utilisez hein. surtout pas ça euh, pour tirer sur quelqu'un ou vous défendre ou je ne sais quelle connerie hein les gars. Non, 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 hein. ça c'est juste pour du fun tir à la maison, d'accord Parce que les conséquences peuvent être euh, assez désastreuses en utilisant ce genre de matériel. D'ailleurs sur ces pochettes, hein, ne pas tirer sur des personnes et animaux, port et utilisation interdite sur la voie publique, tir et surface dure, risque de ricocher, bah ouais, faut se protéger. Hein. Euh ouais, même calibre, un tir de loisir uniquement sur terrain privé, gardez hors de portée des enfants, ça et on s'en doute. Une mauvaise utilisation, ne prend une engage que votre responsabilité. Ben, mais ça, de manière générale, hein, c'est sur le marché, tu trouves tout un tas de, de choses. Euh, c'est à toi d'en convenir, euh, d'utiliser cela euh, d'une manière récréative et pas tirer sur des mecs. Donc, ce que je vais vous proposer, les gars, euh, j'ai mis une plaque, euh, une grosse plaque de placo. Et puis euh, on va aller voir ça ensemble. Et puis on va euh, tester euh, les, euh, ouais, les quatre diverses munitions. Ok. Donc bon, c'est parti. On se les met dans la poche. On va prendre quatre bastos. Et puis euh, on va prendre le casque, euh, des lunettes. Voilà. Et puis on va s'en venir tester ces munitions. Voilà ce que je vous propose sur cette vidéo, les copains. Allez, on se retrouve. Ok, donc on se retrouve dans la cavale ancienne, donc euh, voilà, un grosse plaque de placo, J'ai déjà tiré dessus euh, directement euh, avec de la bille caoutchouc à 18mm, donc on avait testé quoi, Attends, je t'avais mis avec la Olight là, euh, on avait testé quoi de la Titan en type de cartouche, de la Kaiser et de la Black Mamba tu vois, et on avait constaté qu'effectivement la Black Mamba venait euh, avec un peu plus de pression quoi, et euh, bon était un peu plus perforante, impactante, ok Donc bon caméra torche, je sais pas ce que ça va donner. Franchement, j'en sais rien, c'est l'arrache. Donc on va se mettre à 5 mètres à peu près. Ouais, donc je disais, on va se mettre à 5 mètres à peu près. Hein, donc euh, ce qui correspond à une, une distance, on va dire, de, de défense lambda. Hein, on va dire les plus courantes. Hein, ce que j'ai vu euh, sur les autres chaînes qui présentaient les armes. Mmh. De solutions de défense du domicile anti-démousseur de toit et puis bon, bah ce que je vous propose alors tu vois, on va mettre une petite lumière flashlight au light putain, alors je sais pas si c'est cadré, merde ouais, on vous l'aurait comme ça les gars il faut que je vise un peu correctement le buffet du truc et puis bon, euh, on va utiliser en premier lieu une de bastos dedans, ok parce que moi j'aime jamais mettre mes mains euh, là-dedans Chargé avec ça avec des munitions dedans c'est le meilleur moyen de te faire péter les pognes. Puis en premier lieu... Euh... Oh là, c'est dangereux, ça. Non, attends. Donc, je disais, en premier lieu, on va venir euh, se péter cette munition-là. Hop. Ouais. Cette munition, donc, euh, caoutchouc, tu vois. Donc, euh, molle. Pour la défense, OK Donc, on la fout dans le canon. Putain, c'est bien tight, hein, mon gars. Hein ouais, pas de problème là-dessus. Okay, on va essayer de se trouver une bastose dans le falzard. Oh, on va y aller une bastose par une bastose. Hein. Donc, bon. Ok. Donc là, on est bon. On a le casque et les lunettes. On va fripouiller le truc. Ok. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Alors, je vérifie un petit peu. On va venir poutrer là-dedans. Ok, donc il y a du retour. Hein. On voit que la balle là, est venue euh, complètement se désintégrer. Ouais, c'est dégueulasse. Ok, au niveau de l'impact, qu'est-ce que ça a donné ouais, On constate un petit impact là. Donc ça va. Tu as vu, c'est moins puissant que des boules caoutchouc, des rubbers là. Hein. Tu as vu Donc ça frappe bien. Hein. C'est quand même du plâtre. Mais euh, bon, ça frappe moins que du rubeur, euh, que de la boule de défense. Visiblement, donc euh, bon, pour de la défense, c'est un peu plus soft, donc c'est pas mal intéressant. Hein. Euh, tu sais, pour euh, bon, bah, tu peux éclater les côtes d'un des mousseurs de toit, mais. Bon, disons pour le. Pour le rappeler à l'ordre. Ok, donc ensuite, on va prendre quoi On va prendre de la grosse billasse. De la patriote. Donc je pense que ça va défriser. Oh putain, c'est tight mon pote. On va remettre une balle dans le flingue. Putain, elle chauffe la light, là, je suis en train d'ouvrir. Ok. Bon, je pense que ça va donner hein, ce mode de vue, mais on s'en fout en hein, toute manière. Hein. plus pour voir les résultats et les effets du truc. Donc goff hein, avec ça, hein, Lego. Hein. Euh, quand vous chambrez euh, votre munition de défense, hein, les pommes remplir le chargeur, tu vois. Euh, tu vois, le charger, tu tires. Ensuite, euh, remettre une bille avec ton doigt sur le. Euh, sur la queue de détente. Hein, parce que là, mon gosse, ça va faire une saucisse cabine. Hein. Ton doigt, mon petit gosse, je peux l'oublier. A hein. mon avis, tu vas vite euh, t'en rappeler euh, de ton expérience. Ok Bon bah allez. Expérience avec la boulasse. On a le casque, les lunettes c'est cool. Putain, qu'il y a du retour de merde. Vous avez entendu les gars hein, le retour. Oh ouais, oh putain de merde. Ah ouais, donc ça commence à faire effet là. Hein. Donc la grosse bille. Ok, donc vous voyez les différences entre la boule de défense et puis de la munition patriote. Donc euh, bon, gaffe avec ça hein, les gars. Ok, on se recule. Donc là, je te dis ça à 1 mètre, hein, ça commence à faire au niveau de l'efficacité du truc. Donc allez, on va prendre une autre mine. D'un seul point monté, tranché dans le canon. Ok, et puis on va tester les petites billes. Là. Parce que forcément, le diamètre est plus petit de la bille. Normalement, ça doit être plus perforant. Oh putain, comme c'est tight. Donc là, il a millimétré, micrométré même. Euh, eh bien pour que tu aies une maximum euh, aies une prise maximum de, de pression, hein, que ça fasse bien étanchéité. Donc là, pas de problème, ça se barre pas, il hein, n'y a aucun souci là-dessus. Ok, on va se remettre une balle. Touche directement la foutre dans le canon, au lieu de mettre le chargeur. Voilà, ok. On allume la torche. Et là on va bourriner avec directement. Euh, cette munition, on va dire, plus performante. Ok, donc compréhensible. Ok. On y va, les potes. <laughs> Putain. Alors, euh, bon, c'est venu me bananer un peu le pied. Donc, faites gaffe avec ça, mettez bien les lunettes. Ok, donc, résultat. Attends, je vais peut-être quitter le dispositif là. Je vais te reprendre en mode classique. Ok, bon bah je te reprends. Alors au niveau de la pénétration. Oh la vache, putain, mon pote, ça t'a fait une pénétration dans la plaque de placo. Euh, assez méchante. Hein. Ouais, oh, ouais, donc bien plus. On voit vraiment l'impact de, de la balle hein, dedans. Hein. Assez impressionnant cette pénétration que ça offre. Ouais ouais ouais. Donc pour de la destruction de parpaing, euh, de ce que tu veux de plaque de placo, c'est quand même assez pro pro probant, quoi. Hein. Donc euh, ouais, c'est assez ouf, hein. Ouais, 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 bon bah écoute, hein. J'essaierai de vous refaire des tests dans du parpaing ou des trucs comme ça. Mais déjà, sur une plaque de placo, les potes, euh, c'est quand même pas inintéressant, vous avez vu. Donc, euh, la balle molle, moins de dégâts que des boules caoutchouc. Je sais plus ce que j'avais employé là, mais euh, c'est quoi de la rubber ball ou un truc comme ça. Euh, c'est sympa, franchement, hein, même pour de la défense, quoi, histoire d'allumer le mec, mais en toute douceur, on va dire. Euh, le gros pétron, bah tu vois, on a vu, ça fait un sérieux impact. Euh, et puis le plus performant, la plus petite biasse. Hein, euh, bon. Ouais, ah tiens, on a retrouvé l'ogive là. Elle est sortie de son logement, évidemment, Elle est un peu ovalisée, mais que ça vaut quoi. même. Tu pourrais même la, la récupérer pour la retirer. Bon, ok, on se débriefe à l'atelier, les potes. Ok, bon, ben bah, on se retrouve dans l'atelier pour le débrief hein, de cette vidéo assez débile. dont j'ai le secret, les potes. Ok, attends, vérifie. Un petit peu, c'est bon. Pas mal, hein, ce petit kit-là de rallonge d'attaque, il fait une petite gueule assez méchante. Donc après, tu peux le peindre, hein, en Voilà, tu mets une peinture noire brillante, enfin, faire ce que tu veux. Et puis, euh, je te dis, tu as deux coups supplémentaires avec ça, donc c'est quand même la joueur, en hein, Lego. Bien foutu, hein. Donc euh, bon, bah écoute, moi, ça m'a bien été utile pour le test, hein. C'est quand même assez, assez stylé, je trouve. Bon bah écoutez euh, un petit test euh, de l'assortiment euh, euh, des produits que propose euh, notre ami Cyril d'Invent 3D. Hein. Donc euh, tu vois, tout ça dans les petits pochons. Je ne trouve pas nécessairement euh, super cher, c'est euh, de qualité les trucs. Putain. La marque dans une guibole d'un euh, démousseur de toit, ça va quand même faire mal ça, hein, tu vois. J'aimerais pas venir m'y prendre, hein, vu l'impact que ça fout quand même dans un, dans un placo. Bon, euh, si tu te prends ça dans le jambon, à mon avis, t'as moyen de, de jungler un petit peu, quoi, tu sais. Euh, à mon avis, tu vas danser la danse de Saint-Guy euh, euh, pendant 10 minutes, quoi. Donc, ça, pour la destruction, Fun Tier, c'est quand même assez excellent, quoi, hein, ces produits. Hein. Alors après, faudrait. Putain, elles sont. C'est le même diamètre, ceux, ou quoi Ouais. Donc, euh, ouais, noir, rouge, ouais. C'est beau, hein, comme petit objet, hein. C'est franchement classe, hein. Mais, euh. Bon, pour la destruction, euh, ouais, c'est quand même assez fun d'employer ça chez toi, quoi. Hein. Donc, encore une fois, hein, je vous mets en garde, n'utilisez pas ça sur des, des personnes pour vous défendre ou quoi que ce soit, ok Ce sont les l'aspect défense, n'ai jamais, enfin, jamais trop été euh, là-dessus, quoi. Mais bon, euh, euh, pour du fun shoot chez soi, je te dis, hein, de la destruction, ça vaut quand même son, son pesant de cacahuète. Hein. Donc, euh, ouais, en plus, j'ai vu, il a réalisé ses, ses, ses ogives, parce que, je te dis, à l'ancienne, mon gars, je me rappelais pas que c'était euh, très tight à fourrer dedans. Hein. Donc là, tu as une compression maximale. Euh, ouais. Donc, euh, bon. Tu vois que ça pète quand même de la plaque de plâtre. Hein, donc, euh, ce n'est pas négligé. Hein. Ok, les gars. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser, moi, sur euh, ces images assez débiles dont j'ai le secret. J'ai eu un plaisir de vous présenter ces produits à euh, une vente 3D. Euh, Excusez-moi pour ma voix euh, un peu solennelle là sur cette vidéo, mais bon... Euh, je pas trop la tête à YouTube là, ces temps-ci. Hein. J'en ai plus rien à foutre, euh, à vrai dire. Mais bon, c'était pour euh, filer un coup de pouce au copain et puis euh... et puis quoi, bah, euh, puis m'amuser aussi. Donc je vous le partage. Et puis euh, bon bah voilà quoi. Alors on se verra en stand. Là, tu vois, j'ai récupéré, rééquipé, pardon, rééquipé la 22, la la à pompe, qui est franchement excellente, <laughs> vraiment démoniaque celle-là. Et puis euh, quoi d'autre euh, on va tester, ok, on a envoyé ces balles-là tester aussi, des balles caoutchouc, rubber, bullet. Donc euh, j'avais testé ce principe-là, on de foutre des boules de défense dans la cartouche de 12. Hein. Bon bah c'est peut-être deux ans que j'avais fait des vidéos là-dessus. Là on constate, alors ça va être moins puissant que les SAPL noires, mais on se fera des tests aussi dans la plaque de plâtre pour voir un peu la différence avec du, euh, euh, de l'arme de défense en PAK. Euh, bon là je constate déjà, donc t'as la poudre paillette, t'as quand même... Euh, ouais t'as de la bourre là en liège et puis une bille euh, en 18 mm. Euh, caoutchouc de défense bon. Donc on viendra tester tout ça les potes. Ah ouais <laughs> Et aussi euh, j'ai le pote Marco Marco <laughs> euh, Marco Z-Guns, dont j'y reviendrai, hein, qui m'a fait des boulettes. Les Bastos euh, directement aussi, alors c'est l'œil claque hein, de la Bastos de défense, ok Ça c'est de la Z-Guns. Euh, ouais ça ça déchique du zombie hein, euh, à 30 mètres, donc euh, on va venir essayer ça et se faire des tests comparaux. ok les gars Allez je vous laisse sur cette vidéo assez débile, danger de j'ai le secret, prenez soin de vous, bye, bien à vous.